En fait, dans l'exposition, il y a différents types de sculptures. Elles n'ont pas toutes le même statut, c'est important de le spécifier. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Donc, il y a des sculptures anciennes qui correspondent en fait aux projets les plus anciens de Tim Burton. Et à l'époque, Tim Burton, il dessine et il a besoin que quelqu'un matérialise en trois dimensions ses fantasmes pour voir si ça marche et pour voir si dans les films de stop motion, donc d'animation avec des personnages, ça peut exister, ça fonctionne ou pas. Et donc, il y en a certaines qui ont été à l'époque faites dans les années 80 par son collaborateur le plus proche de lui à ce moment-là dans sa carrière, qui s'appelle Rick Heinrichs. Eric Heinrichs a constitué donc des sculptures qui sont très anciennes, très fragiles, vous verrez même parfois un petit peu détériorées, et qui sont en fait les premiers tests, les premières incursions de Burton dans le monde de l'animation. Ensuite, il y a des sculptures qui sont un peu plus récentes, qui sont sur le même processus d'animation, c'est-à-dire des sculptures qui ont servi au film, mais qui sont plus récentes, donc qui sont vraiment en meilleur état, qui sont celles par exemple des Noces funèbres qu'il a réalisées il y a à peine une dizaine d'années, et donc là qui sont d'abord non seulement en meilleur état, mais aussi beaucoup plus sophistiquées. Il y a aussi des sculptures qui ont été faites spécialement pour l'expo. Alors là, c'est complètement différent. Ce sont des choses qui n'ont pas de rapport directement au film. Je pense que c'est Tim Burton, la première fois quand l'expo a eu lieu au MoMA en 2009, qui s'est dit, tiens, finalement, un espace d'expo, c'est un peu comme un espace de cinéma, c'est un peu comme un lieu de tournage. Et il faut pouvoir habiter ce lieu de tournage et pas être simplement dans des textes, dans des dessins. Et je crois qu'il a eu envie d'habiter cet espace de personnage comme on habiterait un film. Et il a fait créer un certain nombre de personnages, de sculptures, qui souvent ont une histoire. C'est souvent des personnages qu'on retrouve dans ses films, ou dans ses livres, ou dans ses dessins. Mais il les a créés pour la première fois en 3D. Et je pense que c'était important que Tim Burton, à un moment donné, s'approprie l'expo comme un enjeu créatif nouveau pour lui dans sa carrière. C'est un inventeur de créatures, Tim Burton. Alors, elles sont dans son cerveau, elles sont dans ses rêves, elles sont dans les scénarios qu'il ébauche. Peut-être lui-même se voit d'ailleurs un petit peu comme une créature. C'est là l'ambiguïté, en même temps, la bonne distance qu'il a, je pense, avec ses créatures, c'est qu'il est un peu lui-même une de ses créatures et qu'il y a un petit peu un jeu de miroir entre tous ces monstres et lui, tous ces personnages mal aimés et lui. D'ailleurs, Tim Burton joue beaucoup de son apparence physique, la coiffure, les cheveux un peu hirsutes, le look un petit peu gothique. Et je pense qu'il y a un petit peu un jeu de miroir entre les créateurs et les créatures, entre Dr. Frankenstein et les multiples petits Frankenstein qu'il a créés et qui peuplent la cinémathèque. Il y a une série que j'aime bien qui est les petites sculptures qu'il a faites autour de la triste fin de l'enfant huître, qui est donc un livre qu'il a écrit en 97. Et à partir de ce livre, qui est un livre de contes pour enfants, mais un conte un peu cruel où tous les personnages sont des enfants, mais des enfants un peu monstrueux. Certains dégagent des gaz toxiques, certains ont l'air d'avoir été brûlés, certains sont comme des poupées vaudou, donc il y a une sorte de toujours d'ambiguïté.